D'abord, il faut dire que du point de vue du contexte de ce film-là, ce film, si vous voulez, peut être transposé dans beaucoup de situations pour servir de canal de sensibilisation et aussi de solution. Puisque à partir des problèmes révélés par ce film, par cette zone géographique particulière du Niger qu'on appelle Zinder, qui est une région, et puis dans Zinder, Karakara, qui est le quartier rural, qui regorge quand même des démunis, des personnes qui sont pauvres, qui sont abandonnées, où il manque d'éducation, il manque aussi d'emploi, etc. Donc, je crois que ce film peut servir aussi de la même situation pour résoudre certains problèmes qui se passent autour du monde, dans chaque partie du monde. Et moi, quand j'ai regardé ce film, il faut dire que ça m'a permis de faire le parallèle avec une situation de ma région. Moi, je suis ressortissant de la région de Diffa, une région qui est carrément à l'est du Niger et où le groupe Boko Haram a envahi cette région-là à travers quand même des guerres qui n'ont pas jusqu'à présent fini et l'État a peine à résoudre. C'est pas possible. Non. Alors, quand j'essaie de regarder le film de Aïcha, je fais en même temps le parallèle avec la situation qui se passe dans la région de Diffa. Il faut dire que l'une des causes de la violence, en tout cas dans le film de Aïcha, à Karakara et aussi dans la région de Diffa, on se rend compte que c'est le manque d'emploi. Et qu'est-ce qui a amené le manque d'emploi? C'est le manque d'éducation, manque d'alphabétisation. Et qu'est-ce qui a amené le manque d'alphabétisation? C'est cet abandon par l'État de ce groupe, de cette zone. Dukkan Adama garin Zandar ni da kai. Ni gani nake kamar ba mu samu ba sa'ad da na samu kamar ba ka same ta ba nake gani. A ganinka kamar mine ne ka haka? Karatu. Ni tunani na kenan. Karatu ya sa ya zama ba haka ba kuma da ke ba a karakara ba kike. Ni ina cikin karakara kuma a nan na girma a nan na yi rayuwata ta karakara wasu wata unguwa ce ga ta nan kamar wasu mutane ne haka wanda aka dan kote wanda kawai marasa hali kwa inga kutare makahi guragu almajirai kenan kamar an ware su ne kawai su zo can su yi rayuwar su shine ainihin karakara quand même on n'est pas faire des sensibilisations, on n'est pas créer des écoles. Donc, c'est un problème aussi de gouvernance. Sans répéter le sujet qui a été traité, quand même, tous les sujets traités sur ce film ont une certaine corrélation. Par rapport à la violence, il faut dire tout simplement que on se rend compte qu'en réalité, ce jeune, plus il se verse dans la violence, plus il entraîne d'autres jeunes. ba wani abu ne ka zo na zamna ka zo mun zama group din mu daya nan fale kin mu ne mu fale ka zaci sunan ta to hallo waccan unguwar wancan titin wannan ina su ma da falan su to ni abin da na hi sani shine abin da yake haddasa ga masu su yi hada da ake cewa hada tun ana yin abin da hannu sai kai in za a je kowa ya huda sun cirkin shi mai kwari a hankali a hankali fale tana gaba sai kai in za a je sai a cire su mena suwaye in kira he sanduna sai kai to abin da ya kai ma da ya dinga gaba Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait très tôt remédier ce problème-là à travers la création des écoles, à travers des sensibilisations, mais surtout inviter les organisations non gouvernementales à aller voir les réels problèmes qui assaillent ces jeunes-là et de leur créer une perspective économique. Et quand vous suivez ce film de Aïcha, vous allez vous rendre compte que ce groupe de jeunes plus tard ont regretté. Sunana Idris Hassan Mala, wanda ake sani da Pau, tsohon ɗan Fale.
ba sana'a ta kabu-kabu. Nayi aikin ashadi yawa. Aikin ashadi na yi to shi ne nake tuna. Matasa ne nake tara. Har ina tuna akwai lokacin da aka ce din aka ga wanda ta sa wannan bujan a ba ta kashi ko kuma a yage shi. To mu ba mu ba ki kashi. Kashi a gida ne muke ba ki shi. Ba ba ki kashi kin gyara mu ne muke yi mun ne. Nake tuna. Rayuwa ta ta za ta yanzu. Ni abin da yasa na sauya akwai sart. Su suka ba mu kulo na wata 18 a nan shan ta. To in suna maganar sai yanzu kamar suna kawowa a fasa wada. Tashin hankalin bai da ɗaya. Mu da suka tambaye mu me yake sa mu tashin hankali muka ce rashin aiki. Babu aikin yi. Babu abin da za mu ci. Babu abin da za mu yi. Se sont dit que c'est parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, parce que l'État les a abandonnés, qu'ils se sont versés dans la violence. Et cette violence s'est répandue dans toute la localité et dans toute la ville parce qu'ils font même des attaques. Ils partent même faire des bagarres entre les clans. Et finalement, certains se sont retrouvés en prison, d'autres sont morts, quelques femmes se sont versées dans la prostitution et on a assisté à une déchéance totale, une déchéance sociale totale. Et en attendant que les ONG viennent leur trouver des perspectives économiques, ils ont déjà réfléchi. Vous avez vu, il y en a qui ont dit qu'ils doivent aller travailler pour trouver des fonds pour créer des compagnies privées de sécurité. Kaman harkokin mu da muka ga muke so ka san tun kana waje da muna hirar ko security mu samu. To shi da kanshi yanzu ka san a gari duk abin da za a yi. Sai ka hudda kuɗi ka kashe tukun ka samu wani kuɗin. To ka san akwai teni akwai rangers akwai wani hula haka da sauransu da wani irin dai abin dai da zai kasance namu ne na aikin security wanda wannan kungiya ce ta mu kauta security za mu bude yamu abokan mu kannan mu da sauransu to shi ma sai ka samu kuɗi to hanyar kuɗin babu sai muka ga bari mu ta mu yi aiki da kanmu mu je mu samu kuɗin muka je muke yin dabaru da mu da lega nan kawai. Su arkilu su fachancas duka dai su fejeje muke aiki da ƙari mu hasa dutse mu tara mu saida a shigo da shi gari haka nan muna tara kuɗi dai inda kuɗin mu ya kai ya ɗan yi yawa da ya kamata mu saye teni da wani waye. Puisque nous sommes en face d'un groupe de jeunes qui sont forts, qui sont robustes, mais qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas psychologiquement préparés et qui se plaisent à répandre la violence. Alors, ils ont dit qu'ils vont créer une compagnie privée de sécurité qui va recruter tous ces jeunes-là et qui vont travailler. Et pour cela, par manque de fonds, ils sont obligés d'aller travailler, utiliser leurs forces pour pouvoir financer leur projet. Et j'imagine que si une ONG était venue écouter ces jeunes-là, prendre leurs problèmes, les questionner, résoudre leurs problèmes, ça pourrait être encore beaucoup plus intéressant et ça pourrait beaucoup plus les occuper. Kenan ganin cewa an ja baya ba iya shiga to in suka zo suka zamna kenan wanda bai da abinci bai da abinci ne bai da na gobe yayi sati bai ce bai shaba kenan kuma ga ƙarfi a jiki kenan dole ne zai jefa dama na wani hanura zai dole ne zai jefa dama wani yau in ka ji ka diba a cikin wani hali muke na duniya na rudani na ta'addanci kenan duk dan ta'addan da ya dauko garin shi ya zo Nijar ya ce amshi matasa ga miliyan guda ga miliyan biyar ta yaza si yau tunda kana zamna a ƙasa ka kai ba mai da ba ko ba komi et c'est justement par rapport à cet état des faits que moi j'ai trouvé que il est intéressant quand même le film de Aïcha soit vulgarisé au monde entier pour montrer quand même
qu'au Niger, dans une zone qui n'est pas quand même, qui n'a pas connu la guerre, parce que Zinder n'a pas connu la guerre, le terrorisme, jusqu'à preuve du contraire, quand même dans la zone de la Zinderville, mais qui a un problème assez particulier et qui est vécu dans les zones de conflit. Le problème de manque de perspective.